Vous pouvez demander à Outlook de répondre automatiquement aux messages que vous recevez si vous êtes absent ou en vacances. Il suffit pour cela de créer une règle de réponse automatique. Dans un premier temps, vous devez créer le message d'absence. Basculez sur l'onglet « Courrier » dans la barre de navigation. Cliquez sur l'icône « Nouveau courrier » et tapez le texte que vous souhaitez utiliser dans la réponse automatique. Basculez sur l'onglet « Fichier » dans la fenêtre de composition de messages, puis cliquez sur « Enregistrer sous ». Sélectionnez « Modèle Outlook » dans la liste « Type ». Le dossier « Templates » est automatiquement sélectionné. Donnez un nom à votre message, puis cliquez sur « Enregistrer ». Fermez le message en cliquant sur sa case de fermeture et indiquez que vous ne voulez pas enregistrer les modifications. De retour dans la fenêtre principale d'Outlook, basculez sur l'onglet « Accueil » du ruban s'il n'est pas déjà sélectionné. Cliquez sur l'icône « Règles » dans le groupe « Déplacer » et choisissez « Gérer les règles et les alertes » dans le menu. Cliquez sur « Nouvelles règles ». La boîte de dialogue « Assistant gestion des messages » s'affiche. Sous « Démarrer à partir d'une règle vierge », cliquez sur « Appliquer la règle au message que je reçois », puis cliquez sur « Suivant ». Sous « Quelles conditions voulez-vous vérifier ?», cochez la case « Où j'apparais dans la zone A » et tout autre critère que vous souhaitez, puis cliquez sur « Suivant ». Sous « Que voulez-vous faire de ce message ?», cochez la case « Répondre » en utilisant un modèle spécifique. Sous « Étape 2 », modifiez la description de la règle. Cliquez sur une valeur soulignée. Cliquez sur « Un modèle spécifique ». Dans la boîte de dialogue, sélectionnez « Un modèle de réponse ». Choisissez « Modèle » dans le fichier « Système ». Dans la liste déroulante, recherchez « Dans ». Sélectionnez le modèle que vous avez créé précédemment, puis cliquez sur « Ouvrir ». Cliquez sur « Suivant ». S'il existe des exceptions à la réponse automatique, cochez les cases correspondantes, puis cliquez sur « Suivant ». Sous « Étape 1 », attribuez un nom à cette règle, définissez le nom de la nouvelle règle. Cliquez sur « Terminer », puis sur « OK ». À partir de maintenant, une réponse indiquant votre absence sera systématiquement envoyée au message que vous recevrez. Pour désactiver cette règle, cliquez sur « Règles ». Choisissez « Gérer les règles et les alertes » dans le menu. Décochez la règle correspondante, puis cliquez sur « OK » pour fermer la boîte de dialogue « Règles et alertes ».